Une fois qu'on a le fil ici, on rentre dans le premier trou. On l'enroule autour. Puis on rentre dans ce trou-ci. On cale bien avec les deux doigts. On descend à travers les deux petites lignes. Ensuite, on vient dans l'autre trou. Donc là, on voit, hop, on bloque. Ici, on tient bien au-dessus, on tient bien en dessous, hop, on fait le tour, de droite vers la gauche, on redescend, on remonte. On passe dans le premier petit crochet, on rentre dans le trou de la tige, deuxième crochet. Ici, on fait de droite vers la gauche, on rentre dans le petit trou, et puis ici, on vient rentrer dans le chat de l'aiguille. Ce serait par contre contre un enfilage automatique. Hein. On passe et on le met derrière pour ce qui est de la canette. Voilà. Elle est ici en dessous. Hop, je vais changer de canette car elle est vide en plus. Je vais prendre une blanche. Et je montrerai comment l'enfiler après. Donc, une fois qu'on est ici, on tire, on vient entrer la canette donc, dans l'emporte-canette, on tire, on passe dans la rainure et on va vers la droite. Une fois que ça c'est fait, on ouvre ici. Vous voyez, comme ça, elle ne peut plus tomber. Et on va par en dessous l'introduire dedans. Ici, c'est une canette verticale. Ensuite, une fois qu'on a ça, on tient le fil ici. Et on vient chercher le fil d'en dessous. Voilà, notre machine est prête à être utilisé. Donc je vais repasser, mais en étant plus près. Donc, en étant plus près, on le passe dans un premier fil de derrière vers devant, on descend, on enfile. Donc je vais le désenfiler comme ça. On voit par où on doit le mettre. Hop, changement de main. Alors, en allant au bout, on rentre dans le premier trou de derrière vers devant. On tourne, même chose en dessous. Donc d'abord le dessus, puis le dessous. Encore rentre dedans. Si vous voulez bien. Ok. Une fois que c'est fait, on rentre dans le premier petit trou ici. On fait une mise au point ici. Hop. On peut le faire. On vient le passer de l'autre côté jusqu'en dessous. D'accord? On peut faire le fil ici. On vient. Ici, passer entre les deux et puis on remonte
dans le crochet. On va un crochet, on redescend. Hop. Crochet, redescend. Hop. Et on remonte dans le crochet. Une fois qu'on est là, il y a sur le côté un crochet aussi. Enfin, il y a une petite taille. Le petit trou, on rentre dans le petit trou. Une main, bien évidemment. Et de l'autre côté, hop, on récupère le fil qui s'en mêle de l'autre côté. Une fois qu'on est là, hop, on reprend la clip. On fait de la droite vers la gauche. C'est juste pour vous. On rentre dans les petits trous. Petit trou, petit trou. Et puis, dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et la machine est prête à être montée. Donc ici, on est sur une canette verticale. Je vous ferai une autre vidéo pour un autre style de machine.